Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Let's Play Les Simpsons, le jeu, comme vous pouvez voir, donc je suis à 4h08 de jeu, en sachant que je viens de faire une bonne heure, enfin peut-être pas une heure, mais un bon une demi-heure, trois quarts d'heure de level up, enfin level up, si on veut aussi chercher les différents stickers et tout ça, là, vous savez qu'on ramasse. Donc voilà, on a 31% du jeu, donc ouais, on va charger, et c'est parti. Aujourd'hui, on est le 20 janvier, hein, donc attendez, je vais juste... épisode définant... Non, bah c'est bon, je voulais vous voir... attendez, peut-être... Non, c'est pas ça... Je voulais juste voir où j'en étais au niveau de... Non, bah tant pis, on continue parti. Au niveau de mes différents stickers à ramasser, là. Enfin, c'est pas des stickers, mais vous voyez les trucs qui tournent. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Ah, mais je suis con, quoi. Voilà, ouais, vous voyez, j'en ai 20 sur 75 des objets cachés de Bart. Et 3 sur 75 de Homer, mais j'ai fait beaucoup avec Lisa aussi. Lisa, vous voyez, je suis à 25 sur 75 et forcément Marge, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, allez, on est parti. Voilà, il est là-bas, le laser. Allez, on y va. Ah non, je me retrouve avec Lisa, du coup. Ok. On va passer par le bas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, quoi. Là, je suis en train de faire le rendu de la première vidéo que je vous ai fait hier. Donc, je ne sais pas trop quand je vous aurai cette vidéo. En tout cas, enfin, si, je sais, vous l'aurez normalement mercredi, il me semble. Ouais, vous l'aurez mercredi, puisque mardi, je vais pas trop en parler, puisque cette vidéo-là, vous l'aurez déjà vue, quoi. Donc, ça sert à rien que je vous dise ça. Vous voyez, c'est assez... C'est sympathique, hein, tout l'univers Simpson est vraiment bien retranscrit. Alors j'ai fait une petite remarque quand je me promenais, c'est que des fois il y a des halos bleus devant la... Tiens, je vais aller chercher ça. Il y a des petits halos bleus devant certaines portes. Alors on essaiera d'en faire un peut-être, voir ce que c'est en fait. Je me souviens plus du tout ce que c'est. Alors... Oh putain, il y a un truc là-bas. Je m'excuse, j'y vais parce que après sinon je vais l'oublier. Et si je l'oublie, après c'est galère, quoi. Enfin, je pars du principe qu'à partir du moment où je vois les petits trucs comme ça, je les prends. Voilà, parce que ça m'évite de pas les oublier par derrière, quoi. Parce que j'ai pas envie de me faire la ville en long, en large, en travers, juste pour ça, quoi. Allez, Paradise Pier. C'est parti. J'espère que mon perso, ça va aller. Ouais, c'est bon. Le jour du dauphin. Alors si c'est ça, ça doit faire encore référence à un épisode des Simpsons où les dauphins en fait vont sur la Terre et veulent contrôler Springfield et le monde. Enfin, ils veulent contrôler le monde, mais ils contrôlent d'abord Springfield. Voilà. Allez, je me tais s'il y a une scène cinématique, je sais pas trop. Là, c'est un petit temps de chargement. Bon, je me tais, hein, à mon avis. Quand ce rayon mystérieux a touché les dauphins, ils sont devenus enragés et ont commencé à attaquer les humains. J'ai essayé de me défendre, mais je ne voyais que des bulles et des flippers en colère. Oh. Capitaine McAllister, je suis désolé. Ne me prenez pas en pitié. J'ai pleuré comme une petite fille. Faut que je me calme un peu, là. Hé, une minute. Vous devez nous aider à vaincre cette armée de mignons envahisseurs amateurs de poissons. Ok. Il y a une trappe près de l'eau, derrière le parc aquatique. Retrouvez-moi là-bas et nous allons contrer l'immonde invasion des dauphins. Méha! Ok, donc c'est bien ça. Ça fait bien référence à... Ah mais c'est pas ça que je veux faire. Ça fait bien référence...
Comme je vous disais, ça fait bien référence. C'est quand même assez fort quand même. Bizarre est un mode de marsouin. Allez. Ah. Bart. Ouais, c'est pas ça. Et spéciale dédicace à tous les gigs du monde entier. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Voilà, je suis tombé dans l'eau et... Ok. Bon, en théorie de là. Voilà. On va laisser Bart se démerder avec eux. Allez, venez, je ne vous ferai pas de mal. Bon, heureusement qu'on a des trucs en hauteur pour... Alors, une fois que vous avez compris... Ah, qu'il fallait les défoncer comme ça. Alors, faut que j'attende que ça remonte là, par contre. Ah, quand même, c'est le seul jeu où on peut niquer des dauphins sans avoir la... la... sans avoir une once de... comment dire... qu'on s'en veuille, en fait, voilà. Boum. Ah, je suis obligé d'attendre. Je gagne, tu perds. Allez hop, c'est parti. On continue. Je vais essayer de démolir des trucs parce qu'il y a peut-être des... peut-être des trucs devant moi. Des fois qu'il y aurait des choses cachées. Allons-y. Là, des fois il y a des trucs, je sais pas comment faut faire pour interagir avec. C'est moi. Je ne sais pas. Ça c'est pour Bart, je le sais. Des fois, c'est... Je ne sais pas. Des fois, il y a des trucs qu'on... Bon, là, c'est pas difficile. Hein. Honnêtement, juste faire un petit peu attention. Vous prenez Lisa. Et comme vous avez vu, hein, on défonce, on défonce, on défonce. Voilà. Alors là, par contre... Me dis pas que ça va être le jeu des poteaux, là. Le truc que j'aime pas du tout. Oh putain, mais je crois que si, ça va être ça. Ah si, ça pue trop ça, quoi. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Parce que ça voudrait dire que... Non. Ah, c'est pas ça, elle s'accroche pas sur un truc sur le côté comme ça. Non. À mon avis. Attendez. Je comprenne bien. Ce qu'on doit faire. Hein. Je vois pas trop.
Je vous disais, heureusement, je vous disais il y a 2 minutes. Ouais, c'est simple. La preuve. Je me mets en vue comme ça. Peut-être mieux, je sais pas trop. Ah, voilà. Ça, peut-être. Attendez. Ah, voilà, voilà. D'accord, ok. Je me disais aussi ces trucs-là. Étonnant que qu'on ne puisse rien en faire. Et puis aller sur des poteaux comme ça. Merde. Voilà. Donc j'ai tout pris en théorie. Voilà, c'est bon. Forcément, ça va être beaucoup plus simple d'y aller comme ça. Hein. Non ! Non, non, je suis tombé, ça c'est une erreur de... Allez, comment je fais pour aller en face, là? Bah voilà. Ah, c'est reparti. Bon. Ok. Ah merde! Lisa qui meurt. ouais, c'est quand même. Voilà, faut y aller. La seule émotion que nous ressentons est la haine. On va aller soigner Bart. Allez, mon pépère. Ah putain. J'y arrive pas là par contre. Alors attendez, il doit y avoir un truc. T'es malade par là. Je suppose qu'il doit encore y avoir un truc. Mm-hmm. Et non mais... Oh, je l'ai pas vu ça. Comment voulez-vous voir ça quoi? Sans déconner quoi. Franchement... Non, là, il y a un souci. Ok. Mon Bartounet, il est où? Oh, putain, chaque fois, j'oublie. Non, sans déconner. Oh, vous avez le droit de me traiter. Hein. Je sais. C'est juste pas possible. Vas-y, des fois, il y a quand même des... Ah, non, mais... Non. Non, 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 non. Un vieux bonhomme m'a montré ses antiquités derrière cette cabane. Tu sais, des gobelets en ferraille, des vieilles lampes. Enfin, des vieux trucs, quoi. Ça me paraît un peu... Bon, ça, ça a été explosé. Je peux pas récupérer. Donc bah il semblerait bien que c'est moi qui me suis trompé tout à l'heure. On va faire un double saut comme ça je pense. Mais putain ça me paraît un peu chaud là. Le double saut là comme ça. Non? Pas vous? Bon, ça me paraît ultra chaud à faire. Ah ouais, mais attends, oui... Enfin, on est sur la jetée. Je veux ma caricature en train de faire du roller. Forcément. 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 C'est une... Alors... Mais alors ? Ouais, je voudrais bien. D'accord.
Alors, on ouvre ça. Bon, ce qui est pas mal, c'est que... on a pas besoin de ramener l'autre perso. Close, do the massive damage. Oula, ouais. C'est ironique. Un parc aquatique alors que l'océan se trouve juste à côté. Pauvres animaux. C'est donc ça, le roi Snorky? Le roi Snorky. Comme les homards mangent de mes filets. C'est juste exceptionnel. Snorky, c'était un dessin animé en fait dans les années si je dis pas de conneries, les années 70, non? Alors ah d'accord, même là je crève, d'accord. Il me semble que c'était ça hein. Les années 70 quoi. C'était un espèce de dessin animé. Bon, par contre, j'aimerais bien trouver il se trouve où le truc de... elle est où là? Ah, c'est peut-être là-bas, non? Je trouve pas le truc de la main d'Isa, là. Bon, justement... Ah, c'est tout en haut, là-bas. D'accord, ok. Ok. Voilà. Oula, mais attendez, là. Ouh. Eh, c'est pas facile, cette histoire. Hein. Parce que si je fais ça... ben, je vais crever, là. Bon. On va faire un petit peu de ménage. Hein. On va vous dire. Faudrait que je trouve un moyen. Et là, les trucs là, je ne sais pas trop. Je trouve un moyen d'y aller. Attendez. Ok. D'accord, j'avais pas vu que sur chaque truc, à mon avis, sur chaque truc, il doit y avoir un. D'accord. Alors on va aller là, je vais récupérer les petites... Oh c'est horrible, l'autre filet avant que je vous harponne quoi. Et le roi Snorky, on va lui envoyer... Eh ouais Snorky, putain ça me rappelle des souvenirs ça, cette histoire. Oh, Snorky. Ouais c'est... le roi Snorky, ouais exact. Il faut trouver à mon ami à chaque fois le. C'est eux qui ont assassiné vos familles. Attendez. Je vais essayer de voir un truc là. J'ai vu qu'il y avait une cible. Hein, mais merde! Alors j'y arrive plus là. Sautez la marée, les dauphins. Bon. J'y arrive plus à monter, d'accord, super. Super génial. Ah, voilà, ça y est.
Là. En théorie, si je monte, ah voilà, là je suis safe. Et voilà. Alors maintenant, il est où le roi? Le petit roi Snorky, il est où? Il faudrait bien que... C'est assez. Il me semble que si on fait ça... On va voir qui est le plus... Non. Alors, faut d'abord faire ça. Ici, c'est pas comme dans les dents de la mer. On va pas se laisser. Ah merde, il est remonté à... Voilà, je peux plus récupérer mon casque. Voilà, c'était bien ça, l'histoire. Ah, il est du cul, lui, hein. Voilà pourquoi vous auriez dû rester sous l'eau. Allez, réapparaît, là, le machin, là. Ah, merde. Bon, rien de bien compliqué, hein. Vous avez vu... Juste une petite question de... Ah bien. Faut faire ci... Ici, c'est pas comme dans les dents de la mer. On va pas se laisser avoir. Votre âme appartient à Poséidon, mais votre évent est à moi. Donc là, en théorie, c'est le dernier. Et là. Et voilà. Snorky. Ah, c'était mon heure de gloire aujourd'hui, les enfants. D'habitude, je n'apparais pas aussi longtemps dans la série. Hein? Qui raconte la vie de votre famille. Ils ont déjoué notre plan. Nous allons prendre notre revanche. Revanche. Vengeance. 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 Les petits fours sont prêts. Ténèbres. Délicieux. Chaud. Revanche. Revanche. Ténèbres. De la sauce. Ténèbres. Vengeance. Excellent, hein. Vengeance, vengeance. Poisson passif. Voilà, donc oui, on fait pas mal de succès quand même. Allez, on continue. On va faire ce que je vous ai dit. Des fois, il y a un petit halo bleu devant certains trucs. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Je suis un peu curieux, j'ai envie de vous dire. Envie de voir ce que c'est. Alors, je sais que j'en ai un en tête. Il est assez loin. Alors du coup, puis ça finira la vidéo là-dessus.
Je pense que les trucs doivent pas être très longs en fait. Donc on va voir ça. Bon, là je vais pas aller parce que sinon je vais encore m'engouffrer dans des trucs assez longs. On entend un hélicoptère mais on ne le voit pas. Super. Pendant ce temps-là, mes élèves ne font pas leurs devoirs. Alors là, c'est la prochaine mission qu'on fera dans une autre vidéo. Oui, on la fera dans une autre vidéo parce que... Une invasion à peine. Ça sent le procès médiatique. Alors attendez. À moi la gloire. Ces aliens n'ont pas l'air d'avoir peur de mes abdos. Je remercie. Faites gaffe, je vais m'énerver. Vous avez l'air en colère. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est dans le coin. Hé, hey, dis où est l'argot? Comment ça va, vieille voilà. Branche? Non, Gilles. Non, j'ai pas besoin d'un million. Du calme. Je n'ai plus rien à voir avec l'homme de fer. Je vais ensemble, histoire de discuter des steaks du Nebraska. J'en vends avec... Alors, comme vous pouvez voir, il y a des grosses références, bien évidemment, à la série. Et si vous connaissez la série, c'est juste exceptionnel. Quoi. Et dans votre Allez, on y bouche... va. Y, on va voir ce que c'est. Spécial dédicace à tous les gigs du monde entier. D'accord. Donc en fait, on peut juste rentrer dans le... Une invasion extraterrestre, comme c'est original. On peut juste rentrer dans le... Il va se terminer. On peut juste rentrer dans les différents établissements. Et en fait, généralement, ça cache quelque chose. Donc pas quelque chose d'exceptionnel, on va dire. Mais enfin, bon, je voulais faire avec vous, je voulais voir ce que c'était. Ma foi, bon, vous avez vu, hein, c'est... Il y en a encore, il y en a un pas loin, je crois, encore un autre. Si je dis pas de conneries, hein. Vous me connaissez, hein, des fois je raconte des conneries. Ah voilà. Je savais qu'il y en avait un là. Donc on va aller là. Donc c'est juste pour collecter les différents items, en fait, différents items. Okay. Vous avez interdit le jeu Itchy et Scratchy. Vous allez vous attaquer à quoi maintenant, Noël? Voilà. Bon, vous avez bien vu, rien de bien compliqué à rentrer. Bah, différentes choses. Les extraterrestres nous attaquent parce que Lisa a un gros popotin. Alors, voilà, on va se laisser là, nous les copains. Ça fait 28 minutes, je pense que ça sera bien pour une vidéo. Je vais faire une petite pause, moi là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo, hein, parce que on ne sait jamais quand vous regardez. Si je ne sais jamais quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Bye bye, les amis. Bon, j'y arrive plus à monter. D'accord, super, super génial. Ah voilà, ça y est, là. Dire que j'ai défendu votre cause. En théorie, si je monte, ah voilà, là je suis safe. Et voilà. Alors maintenant, il est où le roi? Le petit roi Snorky, il est où? Je les aurais déjà court-circuités. Ok, ok. Bon, ok. Il faudrait...
faudrait bien que... C'est assez. Il me semble que si on fait ça... On va voir qui est le plus... Non. Alors, faut d'abord faire ça. Ici, c'est pas comme dans les dents de la mer. On va pas se laisser. Ah merde, il est remonté à... Voilà, je peux plus récupérer mon casque. Ah ouais. Voilà, c'était bien ça, l'histoire. Ah, il y a eu du cul, lui, hein. Voilà pourquoi vous auriez dû rester sous l'eau. Allez, réapparaît, là, le machin, là. Ah, merde, 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 merde. Bon, rien de bien compliqué, hein. Vous avez vu... Juste une petite question de... Ah bien. Faut faire ci... Ici, c'est pas comme dans les dents de la mer. On va pas se laisser avoir. Votre âme appartient à Poséidon, mais votre évent est à moi. Donc là, en théorie, c'est le dernier. Et là. Et voilà. Snorky. Ah, c'était mon heure de gloire aujourd'hui, les enfants. D'habitude, je n'apparais pas aussi longtemps dans la série. Hein? Qui raconte la vie de votre famille. Ils ont déjoué notre plan. Nous allons prendre notre revanche. Revanche. Vengeance. 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 Les petits fours sont prêts. Ténèbres. Délicieux. Chaud. Revanche. Revanche. Ténèbres. De la sauce. Ténèbres. Vengeance. Excellent, hein. Vengeance, vengeance. Poisson passif. Voilà, donc oui, on fait pas mal de succès quand même. Allez, on continue. On va faire ce que je vous ai dit. Des fois, il y a un petit halo bleu devant certains trucs. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Je suis un peu curieux, j'ai envie de vous dire. Envie de voir ce que c'est. Alors, je sais que j'en ai un en tête. Et il est assez loin. Alors, ouais, je voudrais bien. D'accord. Alors, on ouvre ça. Bon, ce qui est pas mal, c'est que on a pas besoin de ramener l'autre perso. Close, do the massive damage. Oula, ouais. C'est ironique. Un parc aquatique alors que l'océan se trouve juste à côté. Pauvres animaux. C'est donc ça le roi Snorky? Roi, que c'est patriarcal. Le roi Snorky. Comme les homards mangent de mes filets. C'est juste exceptionnel. Snorky, c'était un dessin animé, en fait, dans les années... si je dis pas de conneries, les années 70, non? Ah non, ah d'accord, même là, je crève, d'accord. Il me semble que c'était ça, hein. Les années 70, quoi. C'était un espèce de dessin animé. Bon, par contre, j'aimerais bien trouver... Il se trouve où, le truc de... Elle est où là? Ah, c'est peut-être là-bas, non? Je trouve pas le truc de la main d'Isa là.
pour justement... Ah, c'est tout en haut là-bas, d'accord, ok. Ok. Alors... Oula, mais attendez, là. Ouh. Eh, c'est pas facile, cette histoire. Hein. Parce que si je fais ça... Ben, je vais crever, là. Bon, on va faire un petit peu de ménage. Hein. On va vous dire. Faudrait que je trouve un moyen. Et là, les trucs là, je ne sais pas trop. Je trouve un moyen d'y aller. Attendez. Ok. D'accord, j'avais pas vu que sur chaque truc, à mon avis, sur chaque truc, il doit y avoir un. D'accord. Alors on va aller là, je vais récupérer les petites... Oh c'est horrible, l'autre filet avant que je vous harponne quoi. Et le roi Snorky, on va lui envoyer... Eh ouais Snorky, putain ça me rappelle des souvenirs ça cette histoire. Oh, Snorky. Ouais c'est... Le roi Snorky, ouais exact. Il faut trouver à mon ami à chaque fois le. C'est eux qui ont assassiné vos familles. Attendez. Je vais essayer de voir un truc là. J'ai vu qu'il y avait une cible. Hein, mais merde! Alors j'y arrive plus là. Vous sentez la marée, les dauphins ? Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Let's Play Les Simpsons, le jeu, comme vous pouvez voir, donc je suis à 4h08 de jeu, en sachant que je viens de faire une bonne heure, enfin, oh, peut-être pas une heure, mais un bon une demi-heure, trois quarts d'heure de level up, enfin, level up, si on veut aussi chercher les différents stickers et tout ça, là, vous savez qu'on ramasse. Donc voilà, on a 31% du jeu, donc ouais, on va charger, et c'est parti. Aujourd'hui, on est le 20 janvier, hein, donc... Attendez, je vais juste... épisode des défis, non... Non, bah c'est bon, je voulais voir... attendez, peut-être... Non, c'est pas ça... Je voulais juste voir où j'en étais au niveau de... Non, bah tant pis, on continue parti. Au niveau de mes différents stickers à ramasser là. Enfin, c'est pas des stickers, mais vous voyez les trucs qui tournent.
Comme... non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Ah, mais je suis con, quoi. Voilà, ouais, vous voyez, j'en ai 20 sur 75 des objets cachés de Bart. Et 3 sur 75 de Homer. Mais j'ai fait beaucoup avec Lisa aussi. Lisa, vous voyez, je suis à 25 sur 75. Et forcément, marge, j'ai pas fait, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, allez, on est parti. Voilà, il est là-bas, le laser. Allez, on y va. Ah non, je me retrouve avec Lisa, du coup. Ok. On va passer par le bas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, quoi. Là, je suis en train de faire le rendu de la première vidéo que je vous ai fait hier. Donc, je ne sais pas trop quand je vous aurai cette vidéo. En tout cas, enfin, si, je sais, vous l'aurez normalement mercredi, me semble. Enfin, vous l'aurez mercredi, puisque mardi, je vais pas trop en parler, puisque cette vidéo-là, vous l'aurez déjà vue, quoi. Donc, ça sert à rien que je vous dise ça. Vous voyez, c'est assez... C'est assez sympathique, hein. Tout l'univers Simpson est vraiment bien retranscrit. Alors j'ai fait une petite remarque quand je me promenais, c'est que des fois il y a des halos bleus devant la... Tiens, je vais aller chercher ça. Voilà, il y a des petits halos bleus devant certaines portes. Alors on essaiera d'en faire un peut-être, voir ce que c'est en fait. Je me souviens plus du tout ce que c'est. Alors... Oh, il y a un truc là-bas. Je m'excuse, j'y vais parce que après, sinon, je vais l'oublier. Et si je l'oublie, après, c'est galère, quoi. Enfin, je pars du principe qu'à partir du moment où je vois les petits trucs comme ça, je les prends. Voilà, parce que ça m'évite de pas les oublier par derrière, quoi. Parce que j'ai pas envie de me faire la ville en long, en large, en travers, juste pour ça, quoi. Allez, Paradise Pier. C'est parti, j'espère que mes persos ça va aller. Ouais, c'est bon. Le jour du dauphin. Alors si c'est ça, ça doit faire encore référence à un épisode des Simpsons où les dauphins en fait vont sur la Terre et veulent contrôler Springfield et le monde. Enfin, ils veulent contrôler le monde, mais ils contrôlent d'abord Springfield. Voilà. Allez, je me tais s'il y a une scène cinématique, je sais pas trop. Là, c'est un petit temps de chargement. Bon, je me tais, hein, à mon avis. Quand ce rayon mystérieux a touché les dauphins, ils sont devenus enragés et ont commencé à attaquer les humains. J'ai essayé de me défendre, mais je ne voyais que des bulles et des flippers en colère. Capitaine McAllister, je suis désolé. Ne me prenez pas en pitié. J'ai pleuré comme une petite fille. Faut que je me calme un peu, là. Hé, une minute, vous devez nous aider à vaincre cette armée de mignons envahisseurs amateurs de poissons. Ok, il y a une trappe près de l'eau, derrière le parc aquatique. Retrouvez-moi là-bas et nous allons contrer l'immonde invasion des dauphins. Méha! Ok, donc c'est bien ça. Ça fait bien référence à... Ah mais c'est pas ça que je veux faire. Ça fait bien référence. Comme je disais, ça fait bien référence. C'est quand même assez fort, quand même. Lisa, arrête à main d'autre marsouin. Allez. Ah. Bart. Ça va chauffer. Ouais, c'est pas ça. Hé!
spéciale dédicace à tous les gigs du monde entier. Je ne savais pas, je ne savais pas. Voilà, je suis tombé dans le dans l'eau et... Ok. Bon, terrible de là. Voilà. On va laisser Bart se démerder avec eux. Allez, venez, je ne vous ferai pas de mal. Bon, heureusement qu'on a des trucs en hauteur pour... Bon, une fois que vous avez compris... Ah, qu'il fallait les défoncer comme ça. Alors, faut que j'attende que ça remonte là, par contre. Ah, quand même, c'est le seul jeu où on peut niquer des dauphins sans avoir la... la... sans avoir une once de... comment dire... qu'on s'en veuille, en fait, voilà. Boom. Ah, je suis obligé d'attendre. Je gagne, tu perds. Allez hop, c'est parti. On continue. Je vais essayer de démolir des trucs parce qu'il y a peut-être des... peut-être des trucs devant moi. Des fois qu'il y aurait des petites choses cachées. Allons-y. Là, des fois il y a des trucs, je sais pas comment faut faire pour interagir avec. C'est moi. Je ne sais pas. Ça c'est pour Bart, je le sais. Et des fois, c'est... Je ne sais pas. Des fois, il y a des trucs qu'on... Bon, là, c'est pas difficile. Hein. Honnêtement, juste faire un petit peu attention. Vous prenez Lisa. Et comme vous avez vu, hein, on défonce, on défonce, on défonce. Voilà. Alors là, par contre... Je me dis pas que ça va être le jeu des poteaux, là. Le truc que j'aime pas du tout. Oh putain, mais je crois que si, ça va être ça. Ah si, ça pue trop ça, quoi. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Parce que ça voudrait dire que... Non. Ah, c'est pas ça, elle s'accroche pas sur un truc sur le côté comme ça. Non. À mon avis. Attendez. Je comprenne bien. Ce qu'on doit faire. Hein. Moi, je vois pas trop. Je vous disais, heureusement, je vous disais il y a 2 minutes. Ouais, c'est simple. La preuve. Je me mets en vue comme ça, c'est peut-être mieux, je sais pas trop. Ah voilà, ça peut-être. Attendez. Ah voilà, voilà, d'accord, ok. Je me disais aussi ces trucs-là. Étonnant que qu'on ne puisse pas, qu'on ne puisse rien en faire. Et puis aller sur des poteaux comme ça. Merde. Voilà. Donc j'ai tout pris en théorie. Voilà, c'est bon. Forcément, ça va être beaucoup plus simple d'y aller comme ça. Hein. Non ! Non, non, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé.
Je suis tombé, ça c'est une erreur de... Allez, comment je fais pour aller en face là? Bah voilà. Ah, c'est reparti. Bon. Ok. Ah merde! Bah, Lisa qui meurt. ouais, c'est quand même... Voilà, faut y aller. La seule émotion que nous ressentons est la haine. On va aller soigner Bart. Allez, mon pépère. Ah putain, j'y arrive pas là par contre. Alors attendez, il doit y avoir un truc. T'es malade par là. Je suppose qu'il doit encore y avoir un truc. Mais non mais... Oh, je l'ai pas vu ça. Comment voulez-vous voir ça quoi? Sans déconner quoi. Franchement... Non, là, il y a un souci. Ok. Mon Bartounet, il est où? Oh, putain, à chaque fois, j'oublie. Non, sans déconner. Oh, vous avez le droit de me traiter. Hein. Je sais. C'est juste pas possible. Vas-y, des fois, il y a quand même des... Ah, oh, non, mais... Non. Non, 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 non. Un vieux bonhomme m'a montré ses antiquités derrière cette cabane. Tu sais, des gobelets en ferraille, des vieilles lampes, enfin des vieux trucs, quoi. Ça me paraît un peu... Bon, ça, ça a été explosé. Je peux pas récupérer. Donc bah il semblerait bien que c'est moi qui me suis trompé tout à l'heure. On va faire un double saut comme ça je pense. Mais putain ça me paraît un peu chaud là. Le double saut là comme ça. Non? Pas vous? Bon, ça me paraît ultra chaud à faire. Ah ouais, mais attends, oui... Enfin, on est sur la jetée. Je veux ma caricature en train de faire du roller. Forcément. 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 C'est une... Alors... Mais alors,